Je t'en supplie de moi mon bébé, j'ai un peu avec 2 euros de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTap Send et connectez-vous. Hey Dieu! Quand on va parler, toutes les associations de pétous profanés, les femmes qui ont raté leur vie vont venir s'asseoir pour dire atteinte au droit de la, à l'image de la femme. Toutes les petites associations des filles lélées vont venir s'asseoir, non, atteinte à l'honorabilité de la femme. Quand on dit que femme est bête là, ne cherchez plus. C'est-à-dire, quand on dit le prototype, quand on dit femme est bête, faut plus chercher. C'est elle qui est là. C'est-à-dire, il ne faut plus aller loin à l'école. Oui, les filles coûtent, pas trop grand détail, noires, avec une forme un peu bancale, ont toujours eu le don de la bêtise, de la stupidité et de la prostitution animée d'un esprit de cochléa au carré. Voici la fille la plus inconsciente de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tous les génies de la nation se sont retrouvés. Les sorciers se sont retrouvés, ils ont voté. La fille la plus bête, la voici qui est là. Vous voyez, un artiste camerounais vient en Côte d'Ivoire. D'abord, c'était pratiquement un poteau, hein, parce qu'il a pensé que lui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas besoin de publicité. Ils ont pris les bacas, les cas pour aller ramasser les gens d'Abidjan, pour les jeter dans la salle. Demain, quand tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu vas respecter ce qu'on appelle la communication. Tu viens dans mon territoire, tu ne vois pas Tangana, ton mot diable. Plus jamais tu as recommencé ça. Hein. Tu viens sur mon territoire, tu appelles papa la Cameroun, c'est moi. Et puis j'ouvre les portes. Demande à Taylor, il t'en dira quelque chose. Bref. Et en plein spectacle, c'est normal, il y a des femmes qui peuvent monter, danser avec l'artiste, tout, tout et tout. Mais la fille là, elle va à un spectacle. Elle oublie qu'elle est ingrate. Elle monte. Au lieu même de respecter d'abord son corps qui est un peu déformé. Elle va dans un esprit de danse au mougoussal, au ventre raté et autres, dans un comportement sauvage d'une vulgarité précaire de l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. Tu vois pas, c'est, tu ne sais pas pourquoi. Et depuis que les livreurs de drogue ont été mis en prison, les nouveaux livreurs ne sèchent pas bien. Voici le comportement d'une fille. Voici le comportement d'enfant de quelqu'un. Ses parents sont assis et puis on montre vidéo de l'enfant. Voici ce que votre enfant est allé faire. Tu peux monter danser, c'est pas un problème. Tu peux monter travailler, c'est pas un problème. Mais tu vas monter un comportement de baise en plein concert. On voit même pas forme que tu as. On voit même pas rien que tu as. On dit ça est dans les reins, mais pourtant on a l'impression que ça est dans ton ventre. Femme est bête. Femme. Son nom même ça s'écrit F-E. M-M-E, on doit lire sa femme, mais on lit sa femme. Dieu merci, toutes les femmes ne sont pas animées d'un esprit aussi bête que cette fille-là. Je suis dépassé par le niveau de la zozoya. Et puis, il y a des personnes qui valident ça. Oh non, mais c'est pas grave, vous savez, c'est la jeunesse. Nous avons en Afrique, hélas, et mille fois hélas, et le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont devenus les champions où les filles sont les plus maudites dans la bêtise. Depuis que ce petit instrument est sorti, TikTok, Facebook, Instagram, la plupart des filles qui vivent dans les pays PPTE, aux familles précaires, maman vit dans cycle au bois, papa est un instituteur à la retraite, c'est-à-dire ton avenir est incerté. Et tu viens confirmer le cours de façon publique. Une telle fille, c'est la ressent quand un autre gars, c'est que mon frère, c'est lui, t'es tout le monde du temps. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça qu'on appelle être bête. Qu'on dit être bête. Qu'on dit tu es bête là. C'est ça vous voyez. Tu vas dans un conseil ton chéri. Il paye ton ticket. Il est assis.
et puis tu montes, tu t'en vas l'humilier, l'humilier jusqu'à te prendre dans les bras et puis ton visage est là comme si tu es en train de jouir. Adamant, je sais pas, on fait tout, on jette, on prie, mais il refuse de devenir intelligent. Esprit du maudit, j'ai vraiment rentré dans le corps de certaines personnes, mais je suis dépassé. Partagez cette vidéo. Non, partagez-la. Je suis troublé. Je suis étonné. Plus personne ne veut respecter son corps. Vous allez sur TikTok. Ça met les balais ici. Ça aide dans le terrain. Ça aide dans le terrain. Toutes ces petites fesses pectorales ratées. Ça dit qu'ils ne savent même pas faire bien les. Vraiment, faut pas y dire des choses. Ça dit, Makoso, tu vas aller trop loin. Faut respecter quand même la femme. Dieu, mais s'il y a des femmes vertueuses. Ça dit. Il y a des enfants qu'on doit réunir souvent. C'est comme il y a une au Cameroun qui se lève un matin. Elle devait devenir star de films pour nous. Elle balance ses vidéos. Elle va humilier ses propres. On l'attache. Tu as toujours des Africains qui sont prêts à défendre la bêtise. Je vais vous dire une chose. Dans la vie dans laquelle nous sommes, si tu ne respectes pas ton image, personne ne viendra respecter ça à ta place. Souvent, on a l'habitude d'accuser les parents. C'est pas la les parents ont fini leur rôle. Mais vous avez aujourd'hui de nouvelles amis. Ils sont sur dans le groupe WhatsApp. Ça fume la drogue. On s'en fume chicha. Ça dit, ton papa est pauvre, ta maman est pauvre, tu fumes chicha. Ah, mais les Européens, on dit, l'Europe, eux, ils ont réussi. Toi, ton pays est un pays sous-développé. Un pays pauvre, très endetté. On appelle ça PPTE. Tu as comportement de PPTE. Ton péto est PPTE. Et puis tu te comportes comme une sorcière. Aïe, j'ai mal au cœur. Bref, mon gars, parce qu'il y a des hommes aussi, vous allez bouffer, ils restent bêtes. Hein? D'abord, j'aimerais te dire même que ta copine n'a pas belle forme. Donc Dieu même vient de te délivrer comme ça, de te délivrer. Il vient de te montrer que Gola, si tu avais une bague, elle allait mourir le voisin. Mon père, les filles, elles n'ont pas de dignité. Tout ce qui les intéresse, je vais monter, on va me voir. Mais hein, le monde entier t'a vu. Et le monde entier a fait le résultat de le niveau de ton cerveau. Et le monde entier en a conclu que tu es bête. La fille la plus bête de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la voici. À ses parents, j'aimerais vous dire, Yako, voici votre enfant qui est venu mettre votre nom dans Bèze. Bref, j'aimerais dire à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qui sont au niveau de l'Europe, et puis c'est quand même bizarre. Hein. Nos femmes, elles ont un faible pour les Camerounais. C'est quand même bizarre. Et nous, on doit nous expliquer des choses. C'est quand même bizarre. Surtout les filles noires, elles ont vraiment beaucoup de faibles pour les Camerounais. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Georgette est devenue claire maintenant. Elle était un peu claire, mais l'argent l'a bien rendu propre. Et sa mère est tombée, elle a crécé un peu. L'argent est bon. Allez, Lola. Mais l'argent. Nos filles ont quand même un faible pour les Camerounais. Bref. Toi-même, faut voir. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Surtout si vous êtes en Europe et autres, je vous montre une petite application rapide ici. Vous voyez cette application? Ça s'appelle TapTapSend. Cette application. Je vous demande de la télécharger sur App Store ou Play Store. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo, vous la téléchargez. Ensuite, vous mettez mon nom, mon code, Makoso. Dès que vous mettez, vous recevez automatiquement une somme. Et dès que tu reçois l'argent, et quand tu envoies l'argent à tes parents, l'argent que moi je te donne, tu agis dessus, ça s'en va, gratuitement. Deuxième des choses, tous ceux qui vivent au niveau de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, de l'Espagne, j'ajoute le Luxembourg, dès que vous voyez cette vidéo, écrivez-moi sur mon WhatsApp, 00225-01. 50, venez dire mon général, je veux mon cadeau. Parce que toutes ces personnes, j'ai un secret et des réseaux de financement à vous proposer. Shalom. Avec 2 euros de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi. Mettez le montant à transférer. Mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait.
et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.